Bonjour à tous et à toutes à cette session très spéciale conjointe entre la Société géographique royale du Canada, Éducation Canadian Geographic et Exploring by the Seat of Your Pants. Exploring by the Seat of Your Pants vise à intégrer la conservation, l'aventure et la science dans les cours et dans les leçons qui se passent dans les salles de classe et les maisons autour du monde. Et la SGRC, Education Canadian Geographic, ont comme mandat de renforcer l'enseignement et l'apprentissage des compétences géographiques. Alors, de la part de nos trois organisations, je vous remercie d'avoir choisi de passer l'après-midi avec nous. Nous avons aujourd'hui plusieurs classes en direct, ainsi que des auditeurs via notre diffusion en direct sur YouTube. À la fin de la session, il y aura beaucoup de temps pour les questions et les réponses de nos amis en direct et de YouTube. Et comme vous savez, cette semaine est la Semaine mondiale de l'espace et nous avons une conférencière invitée très spéciale avec nous aujourd'hui. Nous allons discuter avec Taryn Tomlinson, ingénieure principale de l'Agence spatiale canadienne. Taryn a passé sa vie professionnelle à apprendre sur l'espace et à l'explorer. Elle est titulaire d'un baccalauréat en génie électrique et d'une maîtrise en sciences spatiales. Elle est ingénieure principale à l'agence depuis 2012 et elle travaille sur des robots spatiaux, des satellites et dans plein d'autres projets passionnants dans le domaine de l'espace. Alors, rejoignez-moi pour accueillir Taryn et installez-vous pour une excellente session. Bonjour, Taryn. Bonjour, Michel. Merci. C'est génial. Je suis vraiment contente d'être là pour la Semaine mondiale de l'espace. C'est toute une semaine pour moi. Je suis ravie. Donc, j'imagine que je peux commencer? Oui, commençons-nous. OK, c'est parfait. Donc, je veux juste être sûre que mes diapos sont mis de l'avant. J'aimerais remercier Michel, Joe qui nous aide avec tout le côté technique aujourd'hui, Alice qui m'a aidé à bâtir les diapos, mais surtout vous autres qui sont là présents aujourd'hui, les jeunes et les parents et frères et sœurs aussi. J'ai entendu dire qu'il y a plusieurs qui vont assister aujourd'hui. Merci pour l'écoute, merci pour les bonnes questions, merci pour votre engagement. Avant de commencer, on va jouer un petit jeu. J'aimerais savoir, c'est quoi un seul mot qui vient à l'esprit quand je dis satellite? Donc, je vais demander que Michel regarde dans le chat pour les mots qui sortent de votre cerveau, de votre esprit, quand je dis satellite. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez. Puis, à la fin de ma présentation, je vais redemander cette question pour voir si votre avis a changé. Une autre perspective, peut-être, ou peut-être que non. Donc, Michel, si jamais il y a des mots qui commencent à... On attend une minute. En attendant, j'en ai quelques-unes. Cliquez sur le comment. Ce n'est pas le private chat, c'est le comment. Moi, j'en vois. Ah, parfait. Alors, on a GPS. Oui. Quoi d'autre? Espace. Observation, alouette, naturel et artificiel, et vaisseau spatial. Ils sont superbes, continuez. Nous voyons aussi éléphone. Le téléphone. C'est parfait. Et ainsi étoile. C'est très, très bien. Puis, alouette, c'était notre premier. Donc, il y a des connaissantes, des connaisseurs, des satellites là. Donc, excellent. J'aime beaucoup vos mots. À la fin, je vais revenir. Donc, j'aimerais vous accueillir aujourd'hui. Puis, mon objectif aujourd'hui, c'est voir si peut-être vous ne saviez pas que les satellites font beaucoup plus que juste les satellites, les GPS, les téléphones. Beaucoup de monde pense de communication, tout à fait. Mais aujourd'hui, on va visiter d'autres
applications et d'autres bénéfices de nos satellites, des milles de satellites qui sont dans l'espace, là, maintenant, par-dessus de nos têtes, qui envoient la nuit comme des petites étoiles qui bougent. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Bien, pendant cette présentation aujourd'hui, je vais vous montrer comment les satellites font beaucoup plus partie de notre quotidien qu'on pourrait le croire. Et comme ça, je vais demander de Joe de nous jouer une petite vidéo qui a été faite par David Saint-Jacques. Allez-y, Joe. Lorsque l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques observait la Terre en orbite, il était émerveillé devant sa beauté. Pour lui, la Terre est le vaisseau spatial de l'humanité. La Terre maintient en vie des milliards de personnes, d'animaux et de plantes dans le vide mortel de l'espace. Nous sommes donc tous des astronautes et notre vaisseau spatial, c'est la Terre. Nous avons la responsabilité de maintenir la Terre en bon état. Nous pouvons trouver des solutions quand nous travaillons ensemble. Nous pouvons accomplir des miracles et des choses que nous pensions impossibles. Ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Les images de la Terre aident à approfondir nos connaissances scientifiques sur notre planète et à trouver des solutions pour protéger l'environnement. Et super, c'est un bon début, une petite vidéo. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, l'espace nous donne un point de vue unique pour regarder la Terre de en haut. Dans cette photo ici, qui a été prise par David Saint-Jacques, pendant qu'il était dans la station spatiale pendant 6 mois, cette photo, qui voit l'île de Vancouver, qui est dans le milieu horizontal. L'île de Vancouver, c'est d'où je viens. Et quand j'étais jeune, j'ai passé toute mon enfance en regardant les étoiles, puis je voulais toujours être une partie de le secteur spatial. Mais l'histoire que je veux raconter là, c'est que quand je visite l'île de Vancouver, je fais beaucoup de randonnées. Puis avant d'y aller, moi, je regarde la météo pour voir comment ça va être pendant les 4 jours, 7 jours que je vais faire mon randonnée. La météo, c'est les données qui viennent de l'espace. J'étudie des cartes pour être sûr le chemin que je veux prendre. Et pendant mon randonnée, je me localise avec mon GPS pour être sûr que je ne me perds pas. 3 applications tout de suite des satellites que peut-être vous avez déjà pensé. Et je vais expliquer pendant cette présentation, on va regarder comment, comme des satellites, comment on regarde la Terre pour avoir des applications qui vraiment livrent des données importantes pour tous les jours de nos vies. Ici, on va rencontrer les satellites eux-mêmes, mais c'est le seul diapo que j'ai où on va regarder vraiment les satellites eux-mêmes. Après ça, on va juste voir qu'est-ce que les satellites voient. Les 3 petits satellites à gauche en bas sont très importants, ils ont juste 1 an, puis je les appelle les 3 petites sœurs. C'est les 3 petites sœurs Radarsat qui ont des super pouvoirs. Tous ces satellites dans l'image, ils ont des super pouvoirs. Puis vous pouvez toujours demander à un ingénieur comme moi, c'est quoi le super pouvoir de ton satellite? Puis on va se lancer. Le super pouvoir de Radarsat, c'est que Radarsat envoie des ondes qui rebondent. Puis, on peut faire des cartes de 3 dimensions de toute la planète Terre. Les montagnes, les eaux, la glace. Je vais en expliquer bientôt. Pourquoi est-ce que je les appelle? Oh, je n'ai pas mentionné. Le super pouvoir, c'est qu'on peut toujours faire ça quand il pleut, à travers les nuages, la nuit, le jour, 24 heures, 7 jours par semaine. Pourquoi je les appelle les petites sœurs? Parce qu'il y a un grand frère. Radarsat 2 dans le milieu, t'es lancé en 2007. Donc, lui, il a 13 ans. Peut-être autour le même âge que vous autres. Et lui, ça, c'est un satellite mature qui travaille pendant 13 ans, sans cesse, pour faire la même chose. Il a fait des cartes 3 dimensionnelles. Puis, ça nous aide tous les jours. Puis, je vais l'expliquer pendant les prochaines diapos. À droite, SciSat. Lui, il reste très haut dans l'atmosphère. Il monite toutes les petites molécules autour de lui. Pourquoi?
pour monitorer justement le climat. En haut, on a 5 satellites où on travaille avec les agences internationales comme l'Agence spatiale européenne, la NASA, et nos partenaires en Japon et d'autres pays. Je vais mentionner juste un des 5, juste pour vous informer un peu plus. En 2022, on va envoyer SWAT. Donc, SWAT n'est pas encore né, n'est pas encore lancé, mais dans 2 ans, SWAT va aller dans le ciel. Puis c'est NASA, nous, l'Agence spatiale française, puis l'Agence spatiale Angleterre. On a tout travaillé ensemble pour mettre des instruments, les super pouvoirs, pour faire des cartes de tous les océans, tous les lacs, les rivières, de toute la planète. Croyez-vous que c'est jamais encore fait? Donc, on va faire toute la planète dans les prochains 10 ans ou les 10 ans après c'est lancé. On va avoir des belles cartes précises de la planète et les eaux. Donc, je pourrais parler toute la journée de nos satellites. Je suis une ingénieure, je les adore, je les trouve incroyables. Mais le point aujourd'hui, c'est pour regarder ensemble de plus près comment les satellites jouent un rôle essentiel dans notre quotidien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle des changements climatiques? Pour moi, c'est un peu une photo de même. Cette photo n'était pas prise par un satellite. C'est une photo de tous les jours que on pense des usines puis la pollution. Nous savons que nous pouvons tous faire notre part pour aider à protéger l'environnement. Mais les satellites font aussi leur part. Pensez-y. Comment pouvons-nous observer des endroits difficiles d'accès comme les montagnes ou l'Arctique? Ou observer les substances difficiles à voir à l'œil nu comme les gaz à effet de serre? Ou encore les événements tels que les fentes de glace ou les inondations? Ce photo, ça nous vient à l'esprit la pollution, mais comment est-ce qu'on va tout voir tout en même temps? C'est les satellites qui peuvent nous aider à faire ça. Grâce à eux, nous pouvons voir l'ensemble de notre territoire. On voit Canada hein, en toutes couleurs. Et la façon dont toutes les choses, l'eau, l'atmosphère interagissent et se modifient au fil du temps. Les satellites nous éclairent sur le passé, le présent et l'avenir prévu de notre planète. Ils nous aident à comprendre les changements climatiques et à nous y adapter. Les changements climatiques, comme exemple, les RadarSat observent depuis 20 ans. Cette photo, c'est prise par le RadarSat. Plusieurs images mises tous ensemble pour voir Canada comme il faut, tous ensemble. Ça nous aide à voir les effets de changement climatique, les signes d'érosion côtière. C'est quoi l'érosion côtière? C'est important comme indication de changement climatique. Imaginez-vous de prendre votre doigt puis tracer toute la côte de Canada. C'est long. Mais faites le contour dans votre cerveau. C'est comme ça, cette photo-là, l'érosion côtière. Ça peut être causé par la fonte des glaces dans le nord ou la hausse du niveau des mers. C'est des effets connus de changement climatique. La surveillance des changements aux côtières canadiennes est particulièrement importante car notre pays possède le plus long littoral au monde qui abrite une biodiversité et des ressources uniques que nous devons protéger. Aussi, c'est très important de protéger notre niveau de sol, de terre. Et quand je pense de ça, puis je vois cette photo, je pense des humains avec leurs habitats, puis nos maisons qui sont construites près de la côte. Est-ce que vous pouvez penser des animaux qui comptent sur la stabilité du sol pour leur bien-être? Moi, je pense des ours polaires. Les données recueillies par les satellites nous aident aussi à comprendre les effets de changement climatique sur le Grand Nord. Elles peuvent nous montrer les mouvements et l'épaisseur des glaces. L'épaisseur, c'est tellement important, par exemple, pour nos ours polaires.
Les satellites ont aussi un impact important sur la nourriture de nos, de qu'est-ce qu'on mange. Imaginez, vous êtes un agriculteur et vous avez un très grand champ, comme qu'est-ce qui est derrière nous dans cette photo. Il vous est impossible de savoir quelle partie de votre champ a besoin de plus ou moins d'eau, car nous ne pouvons pas voir tout le champ d'un seul coup depuis le sol. Vous avez probablement besoin de quelques outils pour vous aider. En utilisant des applications qui analysent les données provenant de l'espace, les agriculteurs peuvent en savoir plus sur l'humidité du sol et la santé de leur culture. Ils peuvent prendre de meilleures décisions concernant la quantité d'eau ou l'engrais ou les pesticides qu'ils doivent utiliser, j'espère le moins possible. Cela aide à la fois leurs activités et l'environnement. Les activités nous aident aussi à rester en bonne santé. Les satellites ne peuvent pas identifier le virus ou les bactéries. On ne peut pas détecter le COVID, mais ils peuvent voir les conditions de l'environnement ou du climat, comme l'humidité et la pollution dans l'air, qui peuvent entraîner certains problèmes de santé, comme les maladies infectieuses. Les satellites permettent d'identifier les risques et les conditions favorables à la présence ou la croissance d'une maladie. Puis on voit un petit chien, puis un petit gars. Et je vous demande, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est les petits tiques qui causent la maladie Lyme? Mais les satellites sont particulièrement utiles pour identifier les maladies transmises par l'eau ou l'air ou les insectes. Le Lyme est causé par les tiques lorsque les gens font des activités en plein air. Et pendant que notre climat change, les tiques sont plus propices à propager dans les forêts pendant que les forêts deviennent de plus en plus chaudes et ça peut supporter les tiques. Les informations fournies par les satellites sont utilisées pour aider à la prévention et la surveillance de ce type de maladie. Les ouragans, c'est un ouragan qui s'appelait Mathieu. Les satellites nous aident également à s'assurer notre sécurité lors des catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre, les incendies de forêt et les ouragans. Les pompiers et les ambulanciers utilisent les renseignements fournis par les satellites pour identifier les zones touchées et trouver les itinéraires les plus rapides pour sauver des vies. Certains d'entre vous se souviennent peut-être des inondations qui ont frappé la province de Québec dans le 2011 et les inondations autour de Montréal en 2017 et 2019. Lors de ces moments difficiles, les satellites ont apporté leur aide en jouant un rôle essentiel. RadarSat, ce que j'ai montré tantôt, a été utilisé pour surveiller et identifier les zones touchées et la gravité des dégâts. Des satellites canadiens ont permis un déploiement rapide et efficace de nos équipes de sauvetage. Pour mieux comprendre comment les satellites sont essentiels dans le Grand Nord, j'ai une petite histoire de capitaine de navire Michael Stokes. Il transporte de la nourriture pour les communautés dans le Nord. Michael Stokes utilise les cartes des glaces. On a des cartes des glaces créées par les satellites pour naviguer l'Arctique. Elles aident à prendre des décisions afin de ne pas se retrouver coincés dans les glaces. Puis, c'est comme ça les navires qui naviguent dans la glace, les satellites nous aident à protéger les étendues d'eau et naviguer. Le Canada est bordé par trois océans qu'on a vus avec l'image de RadarSat et traversé par millions de lacs et de rivières. Avec autant d'eau autour de nous, comment pouvons-nous nous assurer qu'il est possible de s'y aventurer
aventurer, en toute sécurité. Comme vous avez vu avec l'exemple de Capitaine Stokes, les satellites peuvent nous aider. Par exemple, les données de satellites peuvent nous dire quelles sont les routes les plus sécuritaires pour les bateaux, afin que les navires puissent naviguer sans risque de s'écraser sur la glace. Et ça n'arrête pas là. Les satellites aident même à garder nos océans propres. Les satellites canadiens de RadarSat aident à détecter l'éventuel déversement de pétrole de navires et d'autres polluants dans les eaux canadiennes. Ces informations permettent aux organismes d'intervention de contenir et d'atténuer plus rapidement les dommages. Ça réduit ainsi les impacts sur la santé des oiseaux, des mammifères et des écosystèmes marins. Et en parlant des mammifères, je vais demander à Joe de nous montrer comment les satellites peuvent aider pour protéger les baleines. La baleine noire de l'Atlantique Nord, ce célèbre mammifère marin, est en voie de disparition. Le gouvernement du Canada poursuit ses mesures de protection des baleines noires et se tourne maintenant vers l'espace comme source de solutions novatrices pour aider à les repérer et à suivre et prévoir leurs déplacements. Les données obtenues grâce à l'observation de la Terre depuis l'espace permettent de protéger nos écosystèmes et la faune. Des solutions spatiales pourraient contribuer à assurer un avenir meilleur aux baleines noires de l'Atlantique Nord. Et juste pour finir cette histoire des baleines, on n'a pas encore trouvé la vraie solution finale de comment les protéger, mais on vient ensemble des scientifiques, des ingénieurs pour se demander comment est-ce que les satellites peuvent aider? C'est difficile de détecter une baleine. Puis, quand ça plonge vraiment profond, c'est presque impossible de voir où ils sont. Mais si on peut prévenir où ils vont aller à cause qu'on peut détecter leur nourriture quand c'est dense, leur nourriture de krill, si on peut le détecter, on peut prévenir que les baleines vont arriver bientôt pour manger dans un certain endroit. Ça, c'est les genres de solutions qu'on cherche pour demain. Donc, j'ai fini mes belles histoires pour aujourd'hui à propos des satellites et je vais finir avec juste une sommaire. Les satellites ne sont pas seulement utiles pour nous procurer un accès à l'Internet ou nous aider à communiquer avec notre famille et nos amis. C'est important pour ça aussi. Mais tous les satellites en orbite autour de la Terre nous aident de nombreuses façons. Comme vous venez de le voir, les renseignements qu'ils nous revoient à la Terre améliorent notre vie de tous les jours. Et à l'avenir, ils pourraient en faire encore plus. Si en combinant leurs renseignements avec l'intelligence artificielle ou la programmation informatique très puissante, par exemple, nous pourrions peut-être prévoir des catastrophes naturelles avant qu'elles ne se produisent afin d'atténuer leurs conséquences. Nous pourrions également créer des cartes détaillées, même 3D, qui nous indiqueraient où se trouvent nos espèces menacées afin de mieux les protéger. C'est donc important de continuer à développer des techniques créatives et innovantes. Non seulement elle améliore nos vies d'aujourd'hui, mais elle nous aide aussi à trouver des solutions à certains de nos défis futurs, comme les baleines. Et en parlant de l'avenir, nous avons besoin de gens comme vous qui s'intéressent à l'espace, aux sciences et aux technologies afin de continuer à travailler sur ces technologies qui peuvent améliorer la vie des Canadiens. Donc, si vous vous intéressez aux satellites, et à comment ils peuvent nous aider à protéger la planète. Continuez à poser des questions comme vous allez faire dans quelques minutes. Continuez à réfléchir sur la façon dont les technologies peuvent améliorer la vie sur Terre. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous pourriez avoir une carrière passionnante dans le secteur spatial comme moi. Si vous souhaitez en apprendre encore plus sur les satellites canadiens, n'oubliez pas d'aller sur notre site web de l'Agence spatiale et de consulter les activités amusantes que nous avons pour vous.
Les liens sont fournis dans les descriptions de cette vidéo. Et ici, je peux mentionner que vous pouvez aider un agriculteur de mieux mettre l'eau arrosée, les parties de leur terrain qui sont secs avec les données de RadarSat en cliquant sur Mission Agriculture ou aider pendant une inondation ou aider les navires de trouver un chemin le plus sécuritaire avec Mission Arctique. J'aimerais revisiter notre activité du début. Quand j'ai demandé la question, c'est quoi le mot qui vient à l'esprit maintenant quand vous pensez des satellites? Puis je vais demander de Michel à m'aider avec les mots qui sortent dans la fenêtre. Alors, on vient juste de poser la question. On va voir si les réponses ont changé. Il n'y a pas de bonne réponse ou mauvaise réponse, mais si elles ont changé, donc perspective peut-être. Ah, les gens y pensent. Ah, c'est bon, c'est très, très bien. On est le temps. Et en même temps, vous pouvez formuler vos questions pour moi parce que j'ai du temps pour répondre à plusieurs questions. Et Joe va nous aider de venir dans vos classes. Ah, alors, on a un nouveau mot, observation. Oui, c'est excellent et puis c'est clair. Et aussi, je vois encore espace. Alors, oui, j'espère que oui, parce que c'est bien toujours la Semaine mondiale de l'espace. J'ai vu tantôt aussi d'autres mots que je ne voulais pas oublier comme naturel et artificiel. Excellent, parce que la Lune, c'est un satellite naturel. Mais maintenant, on a lancé, depuis Alouette, le premier satellite canadien, on a lancé plusieurs satellites artificiels, des milliers jusqu'à date. Continuez, Michel. Nous avons une autre participante qui dit espace. Aussi, on voit écosystème maintenant. Ooh. Et animaux et agriculture. Ah, c'est super! J'espère que ça va changer un peu la conversation et aussi quand vous retournez à la maison ou si vous êtes à la maison puis vous jasez avec vos parents, vous pouvez parler de plus de juste nos téléphones puis notre GPS, mais avoir plus une appréciation de qu'est-ce que les satellites font tout le temps, tous les jours, jour et nuit, pendant la pluie, même à travers les nuages. Et ici, on a des questions. Alors, nous voyons Amanda Green, Madame Green. Je crois que sa classe a plusieurs questions pour vous. Alors, Madame Green, je vous demande de poser votre première question. Bonjour. Moi, je viens de Beaumont, Alberta, et ma classe est virtuelle. Alors, mes élèves sont en train de regarder en YouTube. Mais hier, on a formulé beaucoup de questions. On était vraiment chanceuse d'avoir une chance de parler avec David Saint-Jacques quand il était sur la Station internationale spatiale avec Let's Talk Science. On a fait le programme de Living Space. Alors, beaucoup d'élèves ont été vraiment, vraiment inspirés par ça. Une question qu'il voulait demander, Amy, Ali et Jenna voulaient savoir, Taryn, qu'est-ce que t'as inspiré de travailler en industrie spatiale quand vous étiez jeune? Encore, c'était Amy, Ali et qui? Jenna. Hey Jenna, qui sont autour de Edmonton, c'est ça? Moi, je suis Edmonton, oui. Oui, oui, oui. Donc, excellente question. Quand j'avais votre âge, j'ai beaucoup passé du temps sur mon balcon. Puis je regardais les étoiles tout le temps. Puis je me demandais qu'est-ce que je peux faire pour être plus impliquée dans ma vie ou même dans ma carrière. J'étais jeune, je savais pas. Et tout à coup, il y avait une astronaute sélectionnée qui s'appelle Julie Payette. J'avais peut-être juste 14-15 ans à l'époque. Puis, j'ai su qu'elle a étudié en génie électrique à McGill. Donc, moi, j'ai fait génie électrique à McGill parce que je sais pas, j'avais pas beaucoup de suggestions des autres. Donc, j'ai fait exactement qu'est-ce qu'elle a fait parce que je trouvais que c'est un bon chemin. Mais j'ai continué avec une maîtrise en études de l'espace, en sciences. Puis, honnêtement, c'était toujours dans mon cœur de travailler pour le secteur spatial. Et
aussi à cet âge-là, autour de 15 ans, j'ai appris qu'au Canada, on est bon en robotique. On construisait un Canada Arm 1. Mais là, j'ai travaillé beaucoup jusqu'à date sur Canada Arm 2 et Dex, qui est le petit robot humanoïde que mon équipe a lancé, une grande équipe. C'est pas juste moi, il y a des centaines de personnes qui ont travaillé sur Dex. Puis Dex était lancé en 2008. Un peu long pour dire que depuis que j'avais votre âge, j'ai rêvé de travailler. Je veux mentionner que vous devriez tous avoir un role model, un modèle de rôle. Michel, comment on dit ça? Oui, c'est ça. Okay. Très, très important de suivre, d'être inspiré et suivre le cheminement des autres que des fois, ça nous donne des bonnes idées. Donc, vous avez Instagram, vous avez toutes les social media pour suivre. Vous pouvez avoir des role models puis les suivre tous les jours. Moi, je regardais dans des journaux à l'époque, mais vous pouvez vraiment suivre de proche vos modèles de rôle. C'est très bien dit. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Je vois une question de Madame Dehas, je crois. Qu'est-ce que les satellites utilisent comme carburant? Quelle question sophistiquée! Donc, carburant, c'est un autre mot pour dire énergie. Comment les satellites, ils ont de l'énergie? Qu'est-ce qu'ils mangent? Mais, on a vu dans mon diapo avec les satellites, presque tous les satellites, ils ont des panneaux solaires. Donc, c'est clair que c'est important d'avoir des panneaux solaires. Il y a une autre énergie qu'on utilise de temps en temps. Si des fois, les satellites baissent leurs altitudes, avec le temps, lentement, ils vont de plus en plus proches à la planète Terre, puis ils ont besoin de, on dit dans le bon anglais, « boost ». Ils ont besoin d'un boost, ils ont besoin de lever. Ils peuvent avoir un carburant plus pétrolier qui donne la chance pour les engins de moteurs à pousser par en haut. Mais surtout, on compte sur l'énergie solaire. Alors, nous allons voir. Je crois que c'est la classe de Madame Nadia qui nous joint maintenant. Bonjour, Madame Nadia. Bonjour. Alors, mes élèves sont en virtuel ici. Mes élèves, attendez, ils ne vous entendent pas. Alors, mes élèves, regardez, vous êtes tous là. Alors, dites bonjour à la caméra. Bonjour. On est sur la rive sud de Montréal. Tout juste à côté de l'agence spatiale. Ah, c'est parfait. Et est-ce que vous avez pensé à une question à demander à Taryn? Non, on était vraiment très impressionnés par les satellites et par tout ce qu'on peut détecter du ciel. On n'avait pas ces informations-là. On va en discuter. On a parlé de nos grands astronautes qui laissent leur marque. On a parlé de Julie Payette et des deux autres qui ont suivi, qu'on ne mentionnera pas, mais on est très impressionnés. C'est un premier pas vers la discussion que j'espère qui va être intéressante pour eux. J'espère que vous allez sur notre web parce que les jeux sont non seulement éducatifs, mais sont vraiment... Oui, c'est vraiment. Alors, on dit bonjour. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, c'est le fun de voir tous les élèves. On ne voit pas ça souvent maintenant. Alors, une nouvelle question de Madame Provencher. Nous avons entendu dire que les satellites peuvent voir à travers les nuages. Peuvent-ils voir à travers l'eau dans l'océan? Oh, c'est difficile. on a besoin de vous pour être capable de faire des technologies, les super pouvoirs qui peuvent faire ça. Comme j'ai dit, on peut voir les pesards, puis il y a certaines, je cherche le mot, pas matériaux, mais il y a certaines, on peut voir à travers des molécules qui sont dans l'air, mais les ondes rebondent sur certaines affaires. Ça dépend de la densité.
Et l'océan, malheureusement, on ne peut pas voir à travers, sous l'eau, mais on peut voir la couleur d'eau. Et la couleur d'eau, c'est une autre façon, la façon de dire scientifiquement, on peut voir la qualité d'eau. Puis on peut voir, si, disons, il y a un algue bleu, vert, on peut voir le changement de couleur d'eau, puis c'est un indicateur de la santé d'eau. Mais on est vraiment à sa limite et ça, on a vraiment besoin de pousser la technologie plus loin dans le futur, de en faire plus. Donc, ça prend vos cerveaux à vous pour nous aider à développer d'autres techniques, d'autres capteurs, d'autres senseurs qui peuvent faire même plus. L'eau, c'est tellement une priorité importante pour la planète et le plus qu'on peut faire avec nos satellites dans le futur, le plus capable on va être pour protéger la planète. Merci pour la question. Oh. Alors, je pense que nous avons une deuxième question de la classe de Mme Green. Sure, excellent. Juste voulais vous dire, quand tu répondais à l'autre question, tu parlais à propos de l'inspiration. Moi, je dis en anglais toujours « be the spark ». C'est quoi la chose qui est l'étincelle? Et que c'est ma job de trouver des personnes comme vous et David Saint-Jacques et l'Agence spatiale canadienne pour inspirer nos enfants. Et qu'est-ce que j'adore, c'est le message, c'est que pas qu'on doit tous être les astronautes, qu'il y a une grande industrie canadienne dans l'espace, et c'est vraiment excitant. J'ai eu l'opportunité l'année passée d'aller à l'Agence spatiale canadienne. Oui! Et tu vois Dex qui est derrière ta tête? Ça, c'est le robot derrière ta tête? Oui, Dexter. Ouais. What? Dexter est derrière ta tête, puis le bras canadien, 17 mètres de long. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus large que le bras. 1,5 mètre, mais le bras... Énorme. Alors, juste un grand merci à l'Agence spatiale canadienne. La question que Julia voulait demander de ma classe, elle voulait savoir, c'est quoi le parti favori ou la meilleure partie de votre emploi, de votre job? Qu'est-ce que vous faites? Oh boy, Julia, merci pour la belle question parce que il y a plein. Je pense qu'il faut expliquer que le choix de devenir ingénieur pour moi, c'était vraiment un super bon choix parce qu'on travaille en équipe. Et je dis tous les jours que je me présente, j'arrive au travail tous les jours parce que j'adore travailler avec mes collègues. Mes collègues sont des génies. Si jamais vous avez écouté Big Bang Theory, l'émission, je suis entourée des génies qui ont des topics. On parle de résoudre des problèmes, c'est clair. C'est ça que les ingénieurs aiment faire. Mais nos conversations, souvent, elles vont plus loin. Puis, je trouve que je suis entourée de diversité, des idées différentes. Mes collègues sont des génies qui ont des idées qui vient de un peu partout, qui vient de l'espace, je dirais des fois. Donc, travailler en équipe, c'est ça que j'aime le plus. Alice qui m'aide à faire ses présentations comme aujourd'hui. J'adore travailler avec mes collègues. Alors, je lis les commentaires et nous avons quelques autres questions. Une question de Marie-Pierre Béchard. Elle dit, mes élèves se demandent, combien y a-t-il de satellites dans l'espace? Oui, moi, je fais de recherche pour être capable de répondre à cette question parce que je me demandais aussi, quand j'avais votre âge, j'ai regardé longtemps, Michel, est-ce que tu as jamais fait ça ou quand tu étais très jeune? Et ça prend du temps de voir un satellite dans le ciel, mais à l'époque. Là, aujourd'hui, j'ai fait l'expérience cet été. Ça ne prend pas longtemps de voir les satellites. Aussitôt qu'on voit quelque chose qui, comme une étoile qui bouge, c'est un satellite. Pensez peut-être autour de... Je pense qu'il y a peut-être autour de 1000, mais en fait, il y a 5000 objets dans l'espace, des satellites artificiels, mais ils ne sont pas tous en opération. Il y en a certains, j'ai dit que celles qui étaient lancées en 2003 sont rendues matures à 17 ans. Il y en a celles qui étaient lancées depuis les années 60. Celles ne fonctionnent plus, mais ils restent là. Donc, on a autour de 5000 objets dans le ciel. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, puis Joe a fait une recherche avant cette émission aujourd'hui, ils vont lancer des milliers encore dans les prochains 10 ans. Et c'est important que
on décide comment non seulement être responsable et bâtir, mais responsable de s'en débarrasser. On peut faire le nettoyage par après aussi. Et peut-être vous pouvez être impliqué dans cette conversation dans votre futur parce que c'est une conversation très, très importante. Merci beaucoup, Taryn. Encore une question. Celle-là vient de Mallory Latreille. Elle dit, qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Alors, un peu comme la question que Julia t'a posée. OK, mais je peux être plus technique cette fois parce que peut-être les gens veulent que je parle un peu plus de bâtir des affaires. J'ai plus travaillé sur DEX. Quand j'étais dans une équipe technique, j'ai travaillé beaucoup sur les robotiques et j'ai une passion vraiment forte pour les robotiques. Moi, je trouve que les robots remplacent les tâches quotidiennes, les tâches répétitives des astronautes. Il faut remplacer ça par un robot parce que c'est très dangereux d'être sorti de la station spatiale. Oui, c'est fun, c'est excitant pour nous voir les astronautes qui sortent dans leur soute d'astronautes. C'est vraiment excitant. Mais eux autres, ils ont juste 6 à 8 heures pour respirer à l'externe de la station spatiale. Puis il faut retourner aussi vite que possible. Il faut finir leur tâche. Donc, c'est important que leurs tâches sont juste les tâches que les robots ne peuvent pas faire. Donc, j'ai une grande passion pour les robotiques. Je trouve que la plupart de notre exploration spatiale du futur, ça pourrait être fait par les robots pour visiter les planètes, pour visiter Mars avant jamais qu'on envoie des humains à Mars. Il faut l'explorer avec des robots. Donc, voilà, c'est ma réponse. Alors, Mademoiselle Antionazi demande, est-ce que votre recherche aide pour protéger tous les océans ou seulement les 3 autour du Canada? Non, on travaille vraiment avec les agences spatiales internationales et on partage les données. Donc, les satellites partagent leurs données pour que tous les scientifiques puissent avoir accès, c'est le mot-clé, accès des données pour nous aider à faire la recherche. Si on fait la bonne recherche, on peut donner plus d'informations authoritatives aux celles qui font des décisions dans notre gouvernement. Donc, on ne regarde pas juste les océans autour du Canada, on regarde toute la planète. C'est sûr qu'on réserve plus de temps de nos satellites pour regarder Canada, mais on fait toute la planète. C'est un bon exemple que j'ai. On est une partie d'un charte international pour les des désastres catastrophiques. Et si jamais il y a un pays qui a un problème, ils lèvent leurs mains, ils utilisent, ils exercent la charte. Et nous, on pointe nos satellites envers ce pays pour, disons, c'est une inondation ou un tremblement de terre. On peut collectionner plus d'informations sur ce pays qui ont ce problème critique, puis on partage toutes les données à eux pour qu'ils puissent réagir. Donc, c'est pas juste pour nous autres, on partage. C'est un travail d'équipe internationale. Bien, encore une fois, c'est très bien dit, Taryn. Merci beaucoup et merci pour cette très belle et informative présentation. Je me sens plus d'experts sur les satellites. Merci, Michel. C'est vraiment incroyable de voir à quel point les satellites sont importants pour la vie quotidienne. Je pense qu'on a tous appris ça aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Puis, on va terminer les questions, puis on va partager quelques ressources qu'on pense que les enseignants et les élèves aimeraient voir après avoir vu cette présentation. Alors, comme vous savez, Taryn a déjà mentionné que le site web de l'Agence spatiale canadienne a beaucoup d'informations et beaucoup de jeux que vous allez aimer pour continuer votre apprentissage la semaine de l'espace est terminé, mais on peut toujours continuer avec l'apprentissage après ça. Mais j'aimerais mentionner que Éducation Canadian Geographic a 2 ressources qu'on aimerait partager. Alors, la première, vous pouvez voir le lien. Malheureusement, le lien est très long, mais ça vaut la peine parce que c'est une carte
une carte tapis géante que les salles de classe peuvent louer pour 3 semaines. Et c'est grand comme une gymnase. Et en fait, ça utilise les mêmes données qu'on a vues sur la carte que vous avez partagée au commencement avec les données radar. Alors, c'est une très belle ressource. Et nous avons une deuxième, ça s'appelle Exploring Earth. C'est une carte interactive bilingue. Voilà aussi le lien pour aller visiter la carte. Mais celle-là utilise des photographies prises par David Saint-Jacques lorsqu'il était sur la station spatiale. Alors, c'est très intéressant aussi. Alors, j'espère que vous en profitez après cette présentation. Alors, merci à toi, Michelle, parce que ton travail est vraiment exceptionnel aussi. Donc, Bien, comme tu as dit, il faut travailler tous ensemble comme une équipe. Oui, c'est ça. Puis on célèbre le beau Canada, notre pays. Alors, je vous remercie encore une fois, Terrine. Je remercie les classes et toutes les personnes qui nous ont joints sur YouTube. Et j'espère que tout le monde passe une très bonne longue fin de semaine. Merci tout le monde. Bonne semaine. Merci Michelle. Merci Joe.